aujourd'hui, on est sur atelier gâteau de Pâques. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, en plus, on est sur un atelier enfant-parent. C'est-à-dire que le parent aussi participe et partage aussi avec moi et puis les enfants sur la confection des gâteaux. Le chocolat, c'est bon. En tout cas, c'est une très, très bonne idée d'avoir mis en place cet atelier pour les enfants parce que déjà, on n'en trouve pas beaucoup. Et les filles, elles sont passionnées de ça. Maintenant, on a plein de jouets qui les amènent à faire des petits gâteaux. On va demander des gâteaux au chocolat. Et après, l'important pour eux aussi, c'est de savoir la base du gâteau. Qu'est-ce qu'on met dans le gâteau? Comment on confectionne? Qu'est-ce qu'on fait si c'est trop liquide, si c'est trop pâteux? Et savoir ce qu'on va mettre aussi comme décoration. On propose beaucoup d'animations pour célébrer Pâques, donc pour les enfants mais aussi les adultes. Alors il y a des jeux d'énigmes, il y a des ateliers de maquillage, de la peinture sur œuf, un atelier de pâte fimo, une structure gonflable, enfin, voilà, plein d'activités en fait pour les petits et les plus grands. Avec Camille. Allez, voilà. Le principe, c'est de répondre aux 4 questions du questionnaire. Une fois que vous donnez les 4 réponses, c'est vous voir, c'est vous donner du chocolat. D'accord ? Pour pouvoir répondre à ces questions-là, il faut aller dans le musée. Je suis contente d'accueillir les enfants pour Pâques. J'espère qu'on va s'amuser. Et voilà, j'étais là pour eux. Quels sont les dessins demandés par les enfants sur le visage? Alors malheureusement, ce ne sera pas des œufs de Pâques. En général, c'est Spider-Man, les princesses, les papillons. Alors ça, c'est un atelier de confection de panier pour Pâques. Chaque enfant choisit son modèle de panier. Et après, ils le décorent selon leur goût, leur gentil, leur fantaisie. En général, bah, il va falloir que là, c'est plus la poule qui les intéresse. La poule en panier, bon, on n'a pas... Voilà, le modèle est... Et après, je pense que c'est le fait de pouvoir décorer, mettre des gommettes, des paillettes qui nous attirent ou pas. L'atelier, c'est la peinture sur œufs. Voilà, simplement, on a pris des œufs, on a fait des petits dessins à l'avance et eux, maintenant, ils vont peindre à la couleur plus belle. Est-ce que tout le monde a fait sa petite chandelier? On fait de la pâte fimo, en fait c'est un peu comme de la pâte à modeler, sauf qu'après pour que ça durcisse, on la passe au four. Et on va faire, là on fait des lapins en chocolat, des poules en chocolat, voilà un lapin par exemple. Voilà, on fait des petites choses comme ça. C'est presque incassable, ça part à l'eau, tout ça, et avec un peu plus d'expérience, on peut faire des bijoux, des choses comme ça. Tenons des bras vos mains comme ça. Vous aurez un petit marmouilla pour bien montrer que vous avez participé, tenez. Ils ont participé à l'atelier peinture sur les œufs, la confection des paniers et les structures gonflables. La découverte, un petit peu la découverte et le plaisir d'être avec les amis, avec des petits copains, pour profiter des activités de Pâques. Alors pour nous, c'était surtout de montrer que notre public privilégié, ce sont vraiment les enfants. Et on avait déjà proposé cette animation l'année dernière, donc on a voulu la refaire parce qu'on sait combien les enfants adorent le chocolat. Et du coup, voilà, on a convié les associations de la Plaine des Cafres et du Tampon à venir. Donc on a plus de 150 enfants qui sont présents et bien sûr le grand public. Alors cette animation permet aux enfants de la grande ferme, au travers des activités proposées par la Cité du Volcan, plein d'ateliers et permettent aux enfants de se retrouver, de s'amuser. C'est bien, c'est pour les enfants, certains n'ont jamais posé les pieds aux enfants du Volcan, c'est l'occasion aujourd'hui quoi. Et l'année dernière on est venu pour Halloween, c'était bien quoi. Ça peut profiter aux enfants qui n'ont très peu de moyens de se divertir comme tous les autres quoi. C'est pour faire participer les enfants du quartier, comme il y a une activité qui est proposée, donc on en profite et ça permet voilà, aux enfants de sortir, pour ceux qui n'ont pas pu aller ou qui ne peuvent pas sortir ce jour-là. Les enfants sont ravis, ils font des découvertes au niveau déjà de l'histoire de la Réunion et également ils s'amusent au niveau de l'atelier maquillage, atelier de confection de paniers pour la chasse aux œufs.